Salut à tous, c'est Wilbuzz Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode de Raid Shadow Legends UHC. Retenez bien que cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée. Dans le premier épisode, nous avions commencé à miner de manière bien sympathique, c'est-à-dire qu'on avait déjà du diamant et qu'on avait déjà de l'or. J'avais également craft déjà l'enclume et nous avions eu un kit de départ plutôt cheat, c'est-à-dire un arc flame. Ce qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui, nous allons donc développer notre stratégie, réfléchir un peu à comment nous allons nous battre et essayer de trouver un max de minerais. C'est parti! Ok! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Je gueule dès le début de l'épisode! Je suis Sean Fire, on est toujours dans le main shaft! Alors attendez, hop. Y a pas d'annonce par contre pour l'épisode 2, je sens que je vais zapper. Surtout quand on sera en combat tout à l'heure. Ok, donc là je peux pas passer. Rip, il y avait des caves, putain, je suis vraiment dingue, il y a des caves là-bas, mais du coup je peux pas les atteindre. Ok, bon, on va fouiller un peu ici du coup. Voyons voir un peu, qui y a-t-il dans le coin. Je pense aussi qu'en fait je vais changer de pack de texture, parce que je viens de m'apercevoir entre l'épisode 1 et l'épisode 2, que mon pack de texture n'est pas foufou. Donc du coup, attendez, on va mettre le red pack, hop, de Matox. C'est parfait, espérons ne pas nous faire buter par un squelette ou un zombie entre temps. C'est bon. Hop, tout va bien. Salut, ça va les petits gars, j'ai changé de pack de texture. Attends, on n'a pas eu le final heal. Attends. Attends, je suis en train de m'en rendre compte là. On m'a niaisé. Le FH il y est pas. Alors moi je te dis, ils ont intérêt à faire un FH manuellement. Ok, il n'y a pas d'annonce de PVP, pas d'annonce de FH. J'espère que le FH va être fait. Ok, on a régen ça. Allez, on fout le régen, SVP et tout se passe bien pour la suite. Oh, y a un spawner. Oh, SVP, des bons coffres, je veux un bon coffre. Oh, 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 oh. Moi, en ce début d'épisode, là, je te le dis, je veux un bon coffre. Oh, il y a double coffre en plus. Alors, attends, hop, on va tout de suite casser ça. Merci pour votre participation, les petits gars. Une golden, déjà, c'est pas mal. Oh, oh, les chevaux, je sais pas s'ils sont on. Oh, bah, je verrai ça après, du coup. Et ici, on a... Ah, on a que de la pourriture. Ça, par contre, c'est pas bien. Je vais juste prendre la selle au cas où. Hop, mais c'est pas cool, c'est pas cool. Attends, juste, je vais mettre horse on. Parce qu'après... Après moi, si on pouvait faire un petit cheval... Oh mec, on a notre tactique. On va être le poney fou. Pour ceux qui ont la ref, on va être le poney fou. Le poney fou V2. Wouhou. Bon, on est bien parti. Moi, je vous dis, là, ce début du HC, il sent bon. Il faut juste du diamant, maintenant, que j'ai pas une douille au niveau du diamant. Mais on est parti, mais comme des fous. Mais oh, mais mec, attends. Pourquoi j'ai... Je rêve ou j'ai deux peaux. Ok. Ok, si tu veux, j'ai encore un autre power flame. Ça veut dire que si j'ai un pote, genre à un moment donné, mais quand, genre je lui fais vraiment méga confiance, je pourrais lui aussi lui placer un flame. Et genre on pourra faire un carnage sur la game. Truc de fou quoi. Comme on n'en voit jamais. En tout cas c'est bon, on a notre strat. Je vais pas la gueuler trop fort, mais poney fou plus flame. Ça va donner un truc pas trop mal. Ok, donc qu'est-ce que je n'ai pas fait? Là-bas il y a la border donc je peux pas y aller. En fait la border sur le main shaft quand même c'est pas de chance hein. Parce que du coup là-bas il y a toute une zone que je ne peux tout simplement pas explorer. Oh attendez, là on a des coffres. Hop, salut mon petit gars. Alors toi tu n'exploses pas, il y a le coffre derrière. Alors c'est TP. Ah. Ok. Alors attends, par contre là il y a un autre creeper. Voilà, c'est bon. Oh mais c'est pourri comme coffre ça. Je voulais pas ça moi. Bon, ok, c'est pas grave. Y a-t-il d'autres trucs? Je crois pas, à part un squelette qui meurt. C'est dommage pour la border, c'est dommage pour la border. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, on n'y peut rien. Il y avait un spawner à un endroit que j'ai bloqué. Je sais plus où c'était. Bon, on s'en fout, on va repartir, je pense, d'ici. Je pense qu'il y aura plus grand-chose d'intéressant. De toute façon, si je vais à l'endroit où il y avait le spawner araignée, j'ai peur de me faire défoncer, donc ça va pas bien se passer, je pense. On a 3 diamants, il m'en faudrait plus, ça c'est sûr et certain. Là, il faut juste que je trouve le diamant, puis c'est bon. Ok, bah ça redébouche sur un autre endroit du main shaft que j'ai pas sûrement dû explorer. Ah si, je l'explore. Bah c'est parti. Je vais quand même essayer de partir le plus loin possible de la border. XP, bon là. Okay. J'avoue que l'XP, elle est pas fofolle, mais... Ah bah déjà, on a du lapis. Il y en a qui disent... J'avoue que l'XP est peut-être pas fofolle, parce que depuis tout ce que j'ai miné, j'avoue que j'ai pas eu masse. Mais c'est comme Vanilla, apparemment, donc bon. Ça devrait passer, j'espère. Hop, d'ailleurs je sais absolument pas qui rec, je pourrais pas vous conseiller d'aller voir un autre POV. Parce que, comme dit précédemment, je ne connais personne, mais je ne sais pas non plus qui rec. On est 4 ou 5 je crois. Et ben je sais absolument pas qui y a, donc ça va être la surprise. Ok, nickel, j'ai atteint la quai, voyons voir un peu ce qu'elle donne, j'espère qu'elle va être bien. STP du diamant.
STP du diamant. S'il n'y a pas de diamant ici, voilà. Hein. Quand même. Oh, il n'y a pas de diamant, c'est la S. Et du coup, il y avait bien de l'or ici, comme je l'avais dit. Ça m'a étonné de pas en voir au début, mais il était juste au-dessus de moi, en fait. Hop, alors petite or, tu vas tout de suite venir dans mes poches. Rends-moi riche! Donne-moi du diamant aussi! Je chante extrêmement mal. Ce qui serait cool, c'est de trouver d'autres petites choses. Je crois, ouais, c'est bien ce que j'avais vu. Il y a une faille ici. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est le diamant dans la faille. Ça pourrait être sympathique. Hop, il y a juste l'eau ici. Le squelette qui me regarde, j'aime pas ça. Il va me. Squelette, tu vas crever. J'espère bien. Alors, attends. Tu vas me saouler. Tu vas me saouler! Oh, je l'ai renvoyé plus loin, c'est une blague! Mais purée! Comment il fait pour me viser d'ici? Bon, il est tombé dans le feu, c'est bien. Brûle dans les flammes de l'enfer, toi. Oh, mais saoulant, quoi. Oh non, je crois qu'il y en a. Oh, hé, hey, toi! Bon, heureusement que j'ai masse de gap parce que sinon je serais pas bien là. Ouais, avec tous les squelettes qu'il y a sur la map. Oh. Mais purée! Mais c'est quoi ça? Mec, tu vas tout de suite brûler. Il est mort. Quoi? Mais! Arrêtez! Barrez-vous, les gars! Là, il y en a trop, vous êtes trop là. Vous me. Hein? Vous me. Je ne dirai rien de plus. Est-ce qu'il y a des. Mais what the fuck, hé! Les petits gars, là, faut arrêter, hein. Bon, remarque, il me ferme les flèches, j'en ai déjà 12. Mais bon. Ah! Je pensais que l'eau allait plus se répandre que ça. J'ai eu une petite frayeur, j'ai failli me jeter dans la lave. Oui, je suis. Je suis d'accord, oui, j'ai failli me jeter dans la lave. Petit moment d'égarement. Là-bas, il y a encore de l'or, mais moi, ce qui me ferait, c'est du diamant. Donc, on va un peu avancer dans cette direction et prier pour en trouver. Oh! Oh! Non, mais j'ai pas de chance là. Attends, je peux essayer d'utiliser ça. Je suis pas bien. Pourquoi à chaque fois que je mine dans une grotte là, dans ce RR, je tombe que sur des trucs pas bien? Pourquoi? Je veux avoir une réponse. Bon, attends, je peux essayer de buter la sorcière du coup, avec mes quelques flèches. Oh, attendez, hop. C'est quand même être censé un power 3, voilà, je l'ai buté en 3 flèches. C'est bien que j'ai eu un arc du coup, parce que sinon, là, je. Être là avec une sorcière juste ici qui essaye de me lancer des potions, ça aurait pas été ouf quoi. Enfin, je sais pas, hein, après chacun ses goûts. Moi, ça m'aurait pas trop plu, je pense. Ah, je vais pas avoir de diamant dans cette cave. À moins que. Attends, il reste encore de la surface quand même. Hop. Il reste encore de la surface, mais j'ai bien peur que la chance ne soit pas avec moi ici. Non, non. Hop, du fer encore. Eh ben non, rip. Rip, rip, rip. Ce sera pas ici que je révèle la suite de mon diamant. Pour l'instant, j'en ai eu 3, c'est pas ouf. Là, j'étais sur une belle lancée. Maintenant, faudrait que ça continue. Et tous les mecs là qui disent que je sais pas cave parce que je trouve jamais de diamant dans les GHC, regardez-moi. Est-ce que vraiment je ne sais pas cave ou est-ce que c'est juste parce que j'ai pas de luck? Non, par contre, diamant, c'est bon. Hein, on va se le faire, le diamant. Ça fait juste 30 minutes que ça a commencé. Hein? On peut pas juger là que je trouve rien après, juste parce que pendant les 30 premières minutes, là j'ai pas trouvé masse de diamants. En tout cas, les caves continuent là-haut, je pense qu'après on va monter. Je vais juste prendre des blocs ici. Attends, même là-bas, j'ai même pas regardé, il y a aussi de l'or. Hop. Parce que ici, il y avait le squelette de l'enfer, sauf qu'il a brûlé, du coup, tout va bien. Ah, moi, non, je me suis. Imagine, il y a du diamant tout au bout de la cave, genre il se serait planqué. Mais non, faut pas rêver. Ça arrive que dans les rêves, hélas. J'aimerais bien que mes rêves deviennent réalité un jour quand même. Ce qui pourrait être cool aussi, c'est de trouver peut-être un donjon avec des books. Des bons books là, qui me mettent bien niveau stuff. Hop, allez, vas-y. C'est bon, donc on repart pour de nouvelles aventures. Je vais réutiliser le bug F5, je pense, pour trouver des trucs après. Je crois qu'il y a juste une cave encore au-dessus. Ce qui serait bien, c'est de ressortir, ouais, épisode 4-5. Ça pourrait être nice. J'entends quand même beaucoup de lave. Ah, mais c'est juste au-dessus, attends. Ah! Ça va, il n'y en avait plus. Heureusement, il n'y en avait plus trop. Alors attends, à moins qu'il y ait de la lave qui coule, normalement, ça doit être peut-être une cave. Ok, bon, c'est pas du tout une cave. Ah si, attends, peut-être, j'en sais rien. Attends, d'ailleurs, j'ai ramassé le flint parce que le flint va m'être utile par la suite. Hop, hop. Genre là. Ok, j'ai pas vu que j'avais autant de bâtons en fait. Et puis même si je crois que. Ouais, j'ai un. J'ai pas mal de flèches, on va pas se le cacher. Avec l'arc que j'ai, c'est un peu cheaté. Après, je sais plus les rôles qu'il y a, hein, mais vous avez le Google Doc dans la description justement pour voir tous les rôles qu'il y a. Mais s'il faut, il y a des rôles qui me défoncent, hein, on n'en sait rien. Hop. J'irai peut-être faire un petit checklist tout à l'heure quand j'aurai fini mon stuff des rôles qu'il y a. Par contre, il y avait un bébé zombie dans le coin et je suis sûr que c'était pas mon ouïe qui me faisait des tours. Donc attends, je vais juste regarder par là s'il y aurait pas une cave putain, que j'aurais pas vue. Désolé, ça vous fait peut-être un peu mal aux yeux le bug F5, hein, je sais pas. Non, il n'y a rien. Mais en tout cas, c'est un bug relativement pratique.
Ça, vous voyez, c'est rouge tout à l'heure, c'était diamant dans le premier épisode. Enfin, c'était couleur diamant normal, quoi. Mais du coup, vu que j'ai changé de pack, le diamant ici est rouge. Donc, j'espère que ce diamant va m'apporter la réussite. Attends, pourquoi j'ai plus de diamant? Oh non, 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 non! Me dis pas que j'ai fait une connerie avant. Oh non, non, j'aime pas ça. Oh non, non. Ah bah non! Ah, mais je suis trop bête, mec! J'ai utilisé mon diamant pour faire la pioche. Que suis-je bête? Donc ok, bah en tout cas j'ai de quoi déjà faire les bottes, ça c'est cool. Du coup je vais pouvoir faire ce qu'il faut pour que déjà ce début du UHC se passe bien niveau stuff. Hop, et puis après il faudra juste trouver des poneys à la surface, mais ça devrait pas être bien compliqué j'espère. On fera une petite plaine, des poneys, on se fera une alliance, et tout se passera bien. Dans le plus grand des calmes. Hop, la table, du coup il me reste 4 diamants, j'ai au moins de quoi me faire une pièce. Et l'opsy que j'ai récupéré ici. En allant chanter. Alors du coup, juste maintenant, excusez-moi, je vais tout de suite aller voir le Google Doc. Alors du coup, PVP 20 minutes, bordure c'est 1000. 200 x 200 à 60 minutes pendant 30 minutes, ok. Donc à 90 minutes, la bordure est finie à 200 x 200. Obligé de mettre le casse donné en début, donc ça fait une pièce en moins, c'est bien ce que j'ai dit. Deux pièces en diamant, plastron en diamant interdit, donc ouais c'est ça. Épée, off, sauf pour les rôles qui ont, et du coup, ok. Ok. C'est bon. Donc en fait, j'ai sûrement le rôle. Attendez, j'ai sûrement un rôle vraiment up en fait. C'est cool. C'est vraiment cool. Du coup, épisode 3 d'ailleurs. Donc on se laisse là. On se retrouve dans 2 jours pour la suite. Je vous souhaite une très bonne journée en attendant. Et puis, salut! Et bien voilà, fin du second épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous voulons donc de crafter la table d'enchantement. Alors que, juste avant, dans la fin du premier épisode, nous avions crafté l'enclume. Maintenant, la prochaine étape, c'est de trouver un maximum de diamants pour se faire un maximum de stuff et défoncer un maximum de gens au middle. Maintenant qu'on a la strat du poney fou en plus. Alors, on se retrouve pour la suite pour l'épisode 3 dans 2 jours à 18h. Salut à tous, bye bye. C'était Obus Gamer.